chiffrer, on a pris mon frère. L'amour n'a pas résulté, n'y arrive pas mon frère. Et pas là-haut, on t'a non encore. Libala, Libala. Bonjour, 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 ou bonsoir, 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 bonsoir. Partout là où vous êtes, je vous envoie mes salutations au nom de notre Père, Jésus-Christ de Nazareth, pour les chrétiens, et pour tous ceux qui sont musulmans, et je vous envoie vraiment que du courage, que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu vous donne cette courage-là d'aller jusqu'à la fin de votre Ramadan, que nous tous, on est unis par l'Esprit et on cherche qu'il y ait seulement un seul Dieu, on prie seulement, il n'y a qu'un seul Dieu, que vous soyez musulmans et nous, on est les chrétiens, on est tous pareils devant Dieu. Vraiment que Dieu vous donne le courage de terminer votre Ramadan et vraiment, je dis aussi, bonne fête de Pâques, malgré que c'est déjà passé pour les chrétiens et pour ceux qui vraiment croient en Jésus-Christ de Nazareth comme moi, que Dieu soit avec vous. Si c'est la première fois que vous tombez sur notre chaîne ici, donc je vais arrêter la musique. Donc je suis votre love coach Sarah Sabiti depuis 2017. Donc j'habite ici à Bruxelles, je suis mère de 3 enfants et je travaille dans les milieux santé. Voilà, et puis je suis chef d'entreprise, je vends de perruques, et voilà, ça c'est notre marque de perruques, on a notre logo, voilà, y a la chaîne qu'on va mettre en place maintenant pour parler, voilà, il y a un sac là-bas derrière moi, donc ce sont les colis des gens qui vont partir, voilà, et là, on a, ça a été détourné, ça c'est notre logo, ça c'est la crème qu'on a mis en place aussi, les toilettes et glitation. Donc voilà, on va faire tout à l'heure la publicité. Mais ce n'est pas ici qu'on va parler de ça. Ici, on va parler tout ce qui touche la sexualité, tout ce qui touche la vie de la famille et la séduction. Donc si vous voulez vraiment être épanoui dans votre sexualité, dans la vie des familles, de votre couple, et pourquoi pas rester avec nous et abonnez-vous. Donc, nous, vraiment, on demande de s'abonner massivement et donner aussi votre avis. Donc, on a besoin de votre idée, des sujets qu'on veut partager ensemble. Vous mettez en dessous de la vidéo, vous mettez votre sujet, ce que vous voulez qu'on parle dans les respects, pas dans les insultes. Si vous, tout ce que moi j'ai dit, ça ne vous intéresse pas, vous prenez votre chemin, pardon, clic-clac, vous marchez, vous partez. Et si ça vous convient, je répète, n'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de laisser une pouce pour que notre chaîne avance petit à petit. Voilà, aujourd'hui, on va répondre, avant de répondre à la question, je vais passer la publicité, je vais mettre la publicité de mes perruques et les produits, des gaines que je vends, je vais mettre ça et ça va passer et après, je vais vraiment répondre maintenant à la question. Qu'on m'a demandé, est-il possible d'augmenter la taille de pénis? Est-ce que, Coach Sarah, est-il possible d'augmenter la taille du pénis? Avant de commencer, avant de vous dire, avant de répondre à la question, il y a trois étapes qu'on va voir. Première étape, c'est ce que moi j'ai dit, voilà, de connaître d'abord la taille du pénis, combien il mesure. Je sais que parmi vous, tout le monde connaît la taille de son pénis. Et puis, le pourquoi ça peut diminuer. Et puis, est-ce qu'il y a vraiment possibilité d'aller augmenter votre pénis?
Voilà, comme j'ai dit, moi je travaille dans les milieux santé. Donc tout ce que j'ai dit, j'ai fait de mes recherches et puis j'ai posé aussi des questions et voilà, je reviens avec la réponse. Première chose, vous avez déjà tapé sur Google. Vous avez tapé Google, vous avez, si vous tapez sur Google, voilà, augmenter pénis, tout, on va vraiment, vous allez voir, beaucoup de sites qui parlent comment augmenter les pénis. Il y a beaucoup de produits qui disent comment augmenter les pénis. Il y a, oh non, la glace, il y a, oh, magar, de beurre de cacao, ou bien, beaucoup de produits qu'on va, on donne des rêves aux gens et voilà pour dire que non, on augmente le pénis 2 cm, 3 cm. Et les hommes sont vraiment focalisés. Les hommes, beaucoup, 30% des hommes aujourd'hui, si on les pose la question, est-ce que vous êtes vraiment satisfait avec votre pénis, il va te dire non, je suis pas satisfait avec mon pénis, j'aimerais que mon pénis soit un peu allongé, j'aimerais que mon pénis soit un peu gros. Et vraiment, il y a beaucoup, on a sondé, que ce soit les Africains, que ce soit ici en Europe, beaucoup des hommes, ils sont vraiment complexés, comme nous les femmes, hein. Nous aussi les femmes, on est vraiment complexés, nous, oui, on veut que notre et vagin soit serré, et on doit mettre les produits, on doit faire ça, il faut mettre ça, il faut mettre ça, il faut mettre ça. Je pense que je fais même une vidéo qui parle de comment serrer ou bien serrer des vagins, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, est-ce que vraiment, est-il possible de l'augmenter? Est-ce qu'il est possible d'augmenter le pénis? Première chose, comme je vous ai dit, c'est de connaître d'abord la taille de votre pénis. C'est combien la taille? La taille du pénis, quand elle est au repos, c'est vraiment, si je ne me trompe pas, c'est 6 cm. Et la taille des petits, donc des micro-pénis, c'est 5, quelques, si je ne me trompe pas, ou 4, quelque chose comme ça, c'est trop petit micro-pénis. Ça n'atteint pas 10 cm, même s'il s'élève, hein, je ne pense pas que ça atteint. Donc, c'est vraiment petit. Mais la taille normale du pénis, d'un homme normal, c'est 1 mètre, pardon, c'est 13 cm. Excusez-moi, c'est 13 cm. Donc, ça, c'est vraiment la taille normale du pénis. Maintenant, la taille du vagin. La taille du vagin, c'est différent aussi, ça dépend le corps de chacun. C'est comme pour vous, la taille du pénis aussi, ça dépend. Vous allez voir, un homme qui est géant, il peut être avec un petit pénis. Un homme qui est aussi court, il peut avoir voilà quoi. Donc, un petit, voilà. Donc, pénis, de toute façon, on regarde les pénis qui est à la main du monsieur. Si tu vois, ses doigts sont longs, donc il a un long pénis. Si elle a un petit doigt, c'est qu'elle a un petit pénis. Ça, c'est une petite astuce comme ça, là, que tu sais voir et directement, je sais juger que celui-là, il a un gros pénis ou un petit pénis. C'est chez nous, chez la femme aussi, il y a des astuces que quand tu vois, tu sais, non, cette femme, elle, voilà, il y en a de voir comme ça. Voilà, chez nous, les femmes, quand on est sans excitation, je pense, nous, la taille vraiment de notre vagin, longueur, c'est 8 cm et largeur, c'est 4 cm. Maintenant, admettons que vous avez déjà 13 cm et maintenant, vous voulez augmenter votre 13 cm. Bon, il faut d'abord se poser la question, vous voulez augmenter pour qui? Pour vous-même. Mais vous utilisez ça, quand vous utilisez, est-ce que ça rentre en vous ou ça rentre sur le corps d'une autre personne? Donc, vous voulez satisfaire votre besoin de dire que non, j'ai un gros pénis. Mais quand on vous utilisez ça avec une autre personne. Avec la personne, votre femme, si je dis une autre personne, votre femme, votre copine, peu importe, vous utilisez. Mais il faut savoir tellement si pénis est trop long, pour nous les femmes, franchement, la femme va fuir en fait. Dans le sens que non, si c'est trop grand, ça ne va pas. Dans le sens que non,
elle va avoir mal, ça sera plus de plaisir pour elle, ça sera des cauchemars. Alors, si les rapports sexuels deviennent un cauchemar, pour moi, ce n'est plus un rapport sexuel. Rapport sexuel, c'est donner du plaisir à l'autre. Si vous êtes incapable de donner du plaisir à l'autre, quand vous avez 13 cm, même si on ajoute 20 cm, vous n'allez pas arriver à donner du plaisir à quelqu'un parce que vous êtes incapable d'utiliser d'abord 13 cm que Dieu vous a donné, et mais vous voulez utiliser 10, 15, 20 et que vous n'arrivez pas. Donc, commencez d'abord à utiliser 13 cm et satisfaire votre femme avec les 13 cm. Et après, vous allez commencer à penser, à réfléchir. Est-ce que vraiment c'est possible? Est-ce que c'est vraiment nécessaire que j'augmente mon pénis? Maintenant, si on a dans les cas des micro-pénis, micro-pénis, c'est une autre chose. Si vous avez un petit pénis né de la naissance, que vous avez un petit pénis, ça, c'est une autre chose. Ça, vous allez, ça fait vraiment souffrir. Il faut voir un médecin. Il faut voir un médecin si vous êtes en Afrique. Il faut voir un sexologue, même si vous êtes ici. Il faut voir un médecin. Excuse-moi. Le médecin va vous aider, va vous donner les chemins qu'il faut suivre. Il ne faut pas commencer à aller dans les sites, commencer à dire quel est le médicament que je peux prendre pour agrandir mon pénis. Qu'est-ce que je dois faire pour faire agrandir mon pénis? Ça, c'est de n'importe quoi. Ce sont des rêves qu'on donne aux gens, que ces rêves-là, ça ne va pas se réaliser. Partout dans le monde entier, s'il y en avait, que le médecin même devait lui dire que oui, voilà, il y a une baguette magique pour faire grandir le pénis. Mais le médecin, le sexologue eux-mêmes dit il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Dans tous les produits que vous achetez, on vous vend, ce sont que des rêves qui n'existent pas et qui ne vont pas agrandir. Moi-même, j'étais, il y avait un moment, j'ai suivi ma formation. Donc, il y a des techniques qu'on va faire pour faire agrandir, allonger les pénis. Et puis, j'ai arrêté parce que c'était vraiment atroce. Et puis, j'ai dit, je ne voulais pas continuer avec ça. Voilà, et c'est trop risqué et moi, je ne veux pas travailler parce que le corps des gens, elle est très important. Si vous commencez à abîmer votre pénis, je ne vous mens pas, vous n'allez plus les trouver nulle part, ça ne se vend pas. Vous allez regretter toute votre vie. Vaut mieux rester avec 12 cm que Dieu vous a donné ou bien de chercher 20 cm de plus que vous allez regretter après. Ça, c'est la première chose que j'ai dit. Deuxième chose, pourquoi le pénis peut rétrécir? Ça peut rétrécir par négligence. Quand je dis négligence, quoi? Négligence, ça veut dire que vous avez beaucoup mangé, vous mangez des, par exemple, tard à partir des 18 heures, vous avez pris beaucoup du poids et ces poids décrèsent et ça va faire que non, votre pénis va entrer dans votre ventre, donc décrèse, hein, va vraiment tirer le pénis et là, ça va rétrécir peut-être de 2 cm. Et quand ça va se rétrécir, là, vous allez sentir que non, c'est rétréci, donc ça se voit que non, c'est rétréci parce que vous avez pris du poids. Alors, et quoi d'autre? Si vous souffrez d'hypertension chronique ou bien diabète, ça aussi, ça fait que ce sont des maladies qui font que non, on tombe sur, et puis ça commence à maigrir, à rétrécir, pardon, parce que ça ne se maigrit pas le pénis, hein. Donc ça se rétrécit et voilà, vous allez perdre aussi des centimètres. Est-ce que est-il possible de l'augmenter, ce pénis-là? Est-ce possible d'augmenter? Oui, c'est possible d'augmenter le pénis. N'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter et n'oubliez pas vraiment de partager la vidéo si ça vous plaît, ce qu'on est en train de partager avec vous. Voilà, alors, quelle est la méthode qu'on peut faire? J'ai pris note. Et là, on peut aller voir, comme je vous ai dit, le médecin. Le médecin va définir votre état de santé. Je ne veux pas entrer
tout expliquer. Voilà, je ne veux pas entrer tout A jusqu'à Z. Non, je veux vous donner seulement des détails. Première chose, ce qu'on peut faire pour agrandir, augmenter la taille de pénis, c'est la chirurgie médicale. Ça reste toujours dangereux, malgré que vous allez voir un chirurgien, voilà. Et ça, c'est toujours vraiment très dangereux dans le sens que les techniques là, qu'est-ce qu'on va faire? Les chirurgiens vont sélectionner les ligaments qui relient avec les pénis à l'os. Et là, du pubis, il va vraiment commencer à injecter produit. Voilà, ça reste toujours une méthode qui est très dangereuse. Et puis, cette méthode-là, ça peut amener des complications si ça rate. Première chose, ou bien, comme j'ai dit, les chirurgiens, les chirurgiens, quand il va faire ça, il y a toujours un risque. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est au moment que vous allez être debout, l'érection, le moment-là, peut-être ça peut faire que non, vous ne vous levez plus. Quand vous ne vous levez plus, ou bien vous vous levez pas fort, vous savez, il y a un homme qui est debout fort, tu sens que non, il est fort. Un homme qui s'élève pas fort, tu sens que non, il s'élève pas fort, il y a une anomalie et il s'élève pas, il y a quelque chose qui va pas. Donc, ces méthodes-là, et ça reste toujours dangereux. Maintenant, il y a d'autres qu'on a dit, donc on va prélever la graisse sur le corps de l'homme et puis on va l'injecter dans le fourreau de l'orgasme qui reproducteur. Donc, on va prélever la graisse sur le corps de l'homme, on va prélever la graisse sur vous, pour injecter dans l'appareil reproducteur, donc dans votre pénis. Et comme j'ai dit tout à l'heure, cette méthode-là, ça reste toujours dangereux. Ça peut rater et puis ça ne va pas. Deuxième, le traitement. Cet traitement est pour les gens, on conseille ce traitement pour les gens qui ont petit pénis. Ici en Europe, micropénis, donc pénis, on conseille testostérone, excusez-moi. Voilà, on conseille ça. Donc, on peut, si on vous a diagnostiqué que vous avez un micropénis, donc un micropénis, j'ai dit un petit pénis, un pénis. Donc, ça, on peut aussi vous injecter des produits qui, cette situation, cette méthode-là, ça reste aussi dangereux. Maintenant, pour terminer, pour conclure, comme j'ai dit, on peut agrandir. Il y a que la solution. On peut agrandir, augmenter votre pénis grâce aux chirurgies médicales. Mais le médicament que vous prenez là, sur le site, sur le marché, la grammaire, miracle et tout, ça ne fait rien. Ça, ce sont des blablabla. Ça n'augmente pas. On vous vend des rêves. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, il faut, première chose, comme conseil que je peux vous dire, vraiment, c'est des conseils, je vous donne des conseils. Première chose, c'est de vraiment être très, très, prenez soin de votre sommeil. Le sommeil, elle est vraiment très important sur le corps. Il faut prendre le sommeil, ayez confiance à votre pénis, ayez confiance de votre corps, parce qu'il faut pas, donc ça, c'est mental, c'est votre tête. Il faut enlever ça dans votre tête pour dire que non, j'ai un petit pénis. Les rapports sexuels, que vous ayez un petit pénis, par exemple 11 cm, si vous connaissez bien manier, bien fonctionner, comment votre corps fonctionne votre, le corps de votre femme, vous allez bien satisfaire. Les rapports sexuels, ce n'est pas des va-et-vient. Tu peux faire les va-et-vient plusieurs fois, mais si la femme n'est pas satisfaite, elle ne va pas être satisfaite. Donc, ça ne sert à rien de dire que oui, moi, je ne satisfais pas ma femme parce que j'ai un petit pénis. Non. Ça ne compte pas que tu as des petits pénis, des gros pénis, vous aurez toujours, si vous connaissez bien l'utiliser, vous allez vraiment bien l'utiliser. Comme conseil, dormez beaucoup, arrêtez, il faut faire beaucoup de sport, vraiment pour diminuer un peu la graisse
Voilà, il faut, si vous fumez, arrêter le tabac. Et si vous prenez l'alcool, vous l'arrêtez aussi, parce que tout ça, ça fait que non, ça diminue la taille des pénis. Et il faut éviter des stress, il faut éviter les stress et l'ancienneté. Donc, ce sont des choses qui font que non, votre pénis va vraiment maigrir, donc il va rétrécir. Donc, je pense que j'ai répondu, est-il possible d'augmenter la taille du pénis? Oui, avec chez les médecins chirurgicaux, médecin, il va vous faire des méthodes pour vous faire grandir 2 à 3 cm, mais ces méthodes-là, c'est vraiment très dangereux pour votre santé. Alors, restez avec ça et travaillez sur votre confiance en soi. Parce que si on a confiance, vous devez accepter votre corps tel que Dieu vous a créé. Je pense que ça va vous aider. J'ai répondu à la question. N'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur cette vidéo. On se voit prochainement si Dieu le veut. Position qu'il faut faire quand on a une grosse pénis. Quelle position on peut utiliser? Parce que ça continue. Allez, au revoir. Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la force. Et on se voit prochainement si Dieu me donne la force. Allez, au revoir. Ciao.